Salam alaikum, bonjour les élèves deuxième bac sciences maths. Donc je vais traiter un exercice spécialement réservé aux élèves deuxième bac sciences maths A et B. Donc c'est un exercice qui parle du mouvement d'une particule électriquement chargée dans une région d'espace où règne un champ électrique uniforme, c'est-à-dire l'étude du mouvement plan. Bon, l'exercice, il est devant vous. Je vais mettre dans la boîte d'infos le lien pour télécharger l'exercice. Donc, je vous demande de bien préparer cet exercice avant de regarder la vidéo. Alors, l'exercice est le suivant. Une particule alpha, noyau d'hélium, HE de 4 arrive au point O dans un condensateur plan. Bon, on a un condensateur, il est formé par deux plaques parallèles, la plaque A et la plaque B, avec une vitesse V0 de direction parallèle aux armatures A et B. Donc, la particule alpha, il entre avec une vitesse V0 horizontale. Bon, il est indiqué dans le schéma. Une tension constante U est appliquée entre les deux armatures de longueur grand L égale à 5 cm. Donc la longueur des armatures, c'est grand L 5 cm. Distance de D égale à 4 cm. Donc la distance entre les deux armatures, c'est petit d égale à 4 cm. On néglige le poids de la particule alpha devant la force électrostatique. Bon, la première question, quelle est la charge Q de la particule alpha? La deuxième question, indiquer la polarité des plaques pour que la particule soit déviée vers le haut. Troisième question, recopier la figure en représentant le vecteur E du champ électrostatique existant entre A et B, ainsi que grand F, la force électrostatique que subit la particule alpha en haut. En appliquant la deuxième loi de Newton sur une particule alpha, établir les équations horaires de cette particule, on choisira le repère indiqué sur le schéma, le référentiel associé et supposé galiléen. On déduire que l'équation de la trajectoire est y est égal à e fois u divisé par m fois d fois v0 au carré, tout multiplié par x carré. Alors, cinquièmement, exprimer à l'aide de l'équation de la trajectoire la tension U en fonction des grandeurs V0, grand L, petit m, E, D et Y, S. Calculer la valeur de U pour que la particule sorte au point S, d'ordonnée Y, S égale 1 cm. Septièmement, trouver l'expression du module de la vitesse Vs en fonction de V0, grand L, U, M, E et petit d. On rappelle que pour un condensateur plan, donc l'intensité ou bien le module du champ électrique, il est donné par la relation, la tension U divisé par d avec U, une tension positive. Donnée V0 est égal à 5 10 absence 5 mètres seconde moins 1, E est égal à 1,6 10 absence moins 19, M alpha est égal à 6,64 10 absence moins 27 kg. Alors maintenant, on va répondre à la première question. Bon, la première question, quelle est la charge de la particule alpha? Bon, la particule alpha, bon, la déviation est déviée vers le haut. Bon, premièrement, la particule alpha, c'est un noyau. Tous les noyaux, ils ont une charge positive. Donc, la charge d'un noyau, premièrement, la charge électrique d'un noyau X, A, Z et Q est égal plus
Z fois E. Donc, alpha est le noyau d'hélium. HE de 4. Donc, sa charge Q est égale à plus 2E. Alors, la deuxième question. Indiquez la polarité des plaques pour que la particule soit déviée vers le haut. Donc, puisque la particule est chargée positivement, donc il sera dévié vers une plaque de charge négative. Donc, la plaque A a une charge négative et la plaque B a une charge positive. Deuxièmement, on a les deux plaques. La plaque A, la plaque B, puisque la déviation nous avons une déviation vers le haut d'une charge Q qui est positive. Donc, automatiquement, ça c'est la charge. La plaque chargée négativement, la plaque chargée positivement. Troisièmement, recopiez la figure en représentant le vecteur E du champ électrostatique existant et A et B ainsi que F, la force électrostatique que subit la particule. Donc, la particule, elle entre, ici c'est la question 2 et question 3. Elle entre avec une vitesse V0. Ici, c'est l'axe des Y. Et là, c'est l'axe des X. L'axe OX. Alors, ça, c'est V0. Alors, maintenant, nous avons la force. Le champ électrostatique, il est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, le champ électrostatique, il est toujours dirigé de la plaque qui possède le plus grand potentiel vers la plaque qui possède le plus petit potentiel. Donc, je représente ici le champ. Voilà. Ça, c'est le vecteur E. Alors, puisque la déviation est dirigée vers le haut, alors la force F, elle aussi, est dirigée vers la force électrique F. Alors pour vérifier, nous avons F, la force électrique, elle est égale à Q fois E, c'est-à-dire est égale à 2 E fois E. Donc, d'après cette relation, alors, F et E en même sens. Même sens et même direction. Donc ici, c'est la troisième question, deuxième et troisième question, puisqu'ils ont demandé
de représenter le vecteur f. Donc aussi je peux représenter le vecteur f ici. Voilà. Il reste toujours dirigé vers, voilà, puisque la déviation, il est dirigé vers le haut. La question suivante. Alors la question suivante, 4. En appliquant la deuxième loi de Newton sur une particule alpha, établir les équations horaires de cette particule, on choisira le repère indiqué sur le schéma, le référentiel associé et supposé galiléen. Donc, puisqu'il est supposé galiléen, donc j'ai le droit d'utiliser, de travailler avec la deuxième loi de Newton. Donc, la quatrième question. Donc, nous avons deuxième loi de Newton. Alors, donc, la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures est égale à mAg. Alors, nous avons bilan des forces. Bilan des forces exercées sur la particule. Particule alpha. Donc il y a le poids P et grand F qui est égal à Q fois E, la force électrique ou bien électrostatique. Alors donc Naya, القوى المطبقة على الدقيقة ألفا دونك الوزن بي والقوة الكهربائية متعلقة بمتجهات المجال الكهربائي بالعلاقة F تيكالا Q فوا E. دونك البيلون دي فورس اكزرسي سور لا بارتيكول ألفا لو بوا بي اي غراند F لا فورس إلكتريك. ألوغ ماتنون لو بوا إلي نيجليجابل أون نيجليج لو بوا دونك لو poids d'après l'exercice est négligeable. Négligeable devant grand F. Donc, la deuxième loi de Newton, nous avons F est égal mAg est égal à mA. On peut remplacer F par Q, E est égal à mA. On cherche A. A est égal à Q fois E divisé par M. C'est-à-dire Q sur M fois le vecteur E. Ça, c'est l'expression de l'accélération. Et maintenant, les projections. Projection sur l'axe OX. Nous avons AX est égal Q sur M fois EX. Alors, nous avons E est perpendiculaire à l'axe OX. Donc X égale à 0. Donc nous avons E perpendiculaire à OX. Donc EX égale à 0. Et qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que AX égale à 0. Maintenant, projection. Sur l'axe OY. Alors, AY est égal Q sur M EY. Nous avons EY parallèle à
l'axe Y, E est parallèle à l'axe Y, elle a le même sens. Donc, E parallèle avec OY est en même sens. Donc, E, Y est égal à E. Donc, nous avons AY est égal Q fois E divisé par M. Je peux remplacer E est égal AU divisé par D. Donc, on obtient AY est égal à Q fois U divisé par D fois M. Voilà, AY et AX, elle aussi égale à 0. Maintenant, nous avons AX est égal DVX sur DT, est égal à 0, ce qui implique que VX égale constante, est égal V0X. Voilà, V0X. Alors, d'après les conditions initiales, voilà, condition initiale. Condition initiale, nous avons la particule, il entre par O. Donc x0 c'est 0, y0 c'est 0. V0 est parallèle à x, perpendiculaire à y. Donc V0x égale à V0, V0y égale à 0. Donc x0 égale 0, y0 égale à 0. Voilà. V0x c'est V0 et V0y est égal à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux remplacer V0x par V0. Donc, nous avons V de x est égal à V0. Alors, maintenant, nous avons AY. Donc, AY. AY est égal DVY sur DT. C'est égal constante. Donc, par intégration, VY est égal AYT plus V0Y. V0Y égale à 0. Et AY, il a été déjà trouvé. C'est Q. Alors c'est Q fois U divisé par D fois M. C'est Q fois U divisé par D fois M. On remplace Q par 2E fois U divisé par D fois M. Donc nous avons VY est égal 2E fois U divisé par D fois M. Fois t. Tout ça multiplié par t. Voilà VY. Donc, nous avons VX est égal à V0. Nous avons VY est égal à 2E fois U divisé par D fois M. Le tout fois t. Ça, ce sont les équations des vitesses. Alors maintenant, on sait que Vx est égal à d de x sur dt, c'est-à-dire est égal à v0. Par intégration, x est égal à v0 fois t. Plus x0. x0 égale à 0 d'après les conditions initiales.
Donc il reste x est égal V0t, la première équation horaire. Alors, Vy est égal d de y sur dt est égal à 2e fois u divisé par dm fois t. Donc par intégration, nous avons y est égal 2e fois u divisé par d fois m multiplié par 1 demi t carré plus y0. Y0 d'après les conditions initiales est égal à 0. Alors je simplifie 2 avec 2. Qu'est-ce qu'il reste? Y est égal e fois u divisé par d fois m le tout facteur t carré. Voilà la deuxième équation horaire. Alors donc équation horaire sur l'axe des x, équation horaire sur l'axe, équation horaire sur l'axe OX, équation horaire sur l'axe OY. La question suivante. On déduire que l'équation de la trajectoire. Donc on va chercher l'équation de la trajectoire. Donc pour chercher l'équation de la trajectoire, on va éliminer le temps. Donc cinquièmement. Donc élimination du temps. X est égal V0 fois T. Je cherche le T. T est égal à X divisé par V0. Je remplace dans la deuxième équation horaire. Donc Y est égal E fois U divisé par D fois M facteur de T carré. C'est-à-dire E fois U divisé par D fois M facteur de X carré sur V0 carré. Donc on introduit V0 ici. On obtient Y est égal E fois U divisé par T fois m fois v0 au carré tout facteur x carré. C'est une équation d'une trajectoire parabolique. Équation d'une trajectoire parabolique. Donc, c'est une équation. Équation d'une trajectoire parabolique. Alors maintenant, la question suivante. Bon, la question suivante, c'est la question. Celle-là, c'est 6. Celle-là, c'est 7. Et là, c'est 8. Donc, la question 6. Exprimer à l'aide de l'équation de la trajectoire la tension U en fonction des grandeurs V0, L, M, E, D et S. S est le point de sortie. S est le point de sourcil. Donc le point S est indiqué dans le schéma. Voilà, il est là. Voilà le point S. Donc le point S, XS est égal à L. Donc d'après la figure, l'abscisse du point S sixièmement, donc nous avons S et le point de sortie, sortie du champ
électrique. Alors, les coordonnées de S. De S. Alors, XS est égal à grand L et YS, bon, inconnu. Alors, nous avons l'équation de la trajectoire. Y est égal E fois U, E fois U divisé par D fois M fois V0 au carré, X carré. Donc, YS est égal E fois U divisé par D fois M fois V0 carré fois XS carré. On va remplacer XS par L. Donc, YS est égal E fois U fois L carré divisé par D fois M fois V0 carré. On cherche le U. Donc on déplace dmv0 carré vers le haut. Donc ça donne U est égal D fois M fois V0 carré fois YS divisé par E fois L carré. E fois L carré. Voilà l'expression qui est demandée. Alors, la question suivante. Calculez U pour que la particule sorte au point S d'ordonnée YS égale 1 cm. Donc, nous avons, septièmement, alors YS est égal à 1 cm. Nous avons V0 est égal à 5 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Alors nous avons E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. Nous avons M alpha, la masse, c'est M alpha, est égal à 6,64 10 à la puissance moins 27 kg. Alors nous avons D est égal à 4 cm. 4 cm, c'est-à-dire 0,04 m. Nous avons L est égal à 5 cm, c'est-à-dire 0,04 m. Donc application numérique, U est égal. En remplaçant, faisons le calcul, on va trouver U est égal à 1660 volts. Alors la question 8. La question 8, c'est trouver l'expression du module de la vitesse Vs en fonction de V0, L, U, M, E et D. Alors, la question 8. Donc, on cherche Vs. Nous avons Vs est égal V XS carré plus V YS carré. Nous avons les Vx. Vx, c'est V0. Vy, c'est. Donc, on a déjà trouvé Vy. C'est 2EU divisé par DM fois T. Alors, donc, 2EU divisé par dm facteur de t.
Voilà. Maintenant, V, X, S. Ça reste V0 puisqu'il est constante. Par contre, V, Y, S, il est égal à 2, E, U divisé par D fois M fois TS. Alors on doit chercher TS. On doit calculer TS. Alors TS, nous avons X égale V0 fois T. XS égale à V0 fois TS. Alors donc TS est égal à XS sur V0. C'est-à-dire est égal à L divisé par V0. Alors donc, je remplace donc V XS c'est V0 et V YS il est égal. Je remplace le TS donc 2E fois U divisé par DM 2E fois U divisé par D fois M alors fois TS c'est L sur V0. Alors donc, V, S est égal à V0 carré plus 2 E fois U fois L divisé par D fois M fois V0, le tout au carré, la racine. Alors on peut la calculer. Nous avons V0 est égal à 5 10 à la puissance. Donc on va essayer de calculer d'abord celle-là. Alors nous avons 2, 2 fois 1,6 10 à la puissance moins 19. Alors multiplié par le L 0,05 multiplié par le U. C'est 1660, 1660. Alors en bas, nous avons D, c'est 4 cm, 0,04, multiplié par le M, c'est 6,64, 6,64, 10 à la puissance, moins 27. Moins 27 fois V0, c'est 5 10 à la puissance 5. 5 10 à la puissance 5. Bon, tout ça, c'est voilà, 2000 au carré égale plus V0, 5 10 à la puissance 5, elle aussi au carré égale la racine de 1. Alors ça donne 5,38, 538, 10 à la puissance 538,5, 10 à la puissance 3. VS, 538,5, 10 à la puissance 3 mètres par seconde. C'est à peu près 5,39, 385, 10 à la puissance 5 mètres par seconde. C'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.